Sometimes I'm a stone, sometimes I'm a potato toe, then a stone again or a potato. La pièce de Davide Balula repose sur une composition au vocabulaire minimal. Une pomme de terre, un galet et en dernier lieu, le titre de la pièce. Sometimes I'm a stone, sometimes I'm a potato toe, then a stone again or a potato. Cette trilogie est rendue subtile par leur association. Matériaux considérés comme pauvres, chacun évoque un caractère élémentaire. La pomme de terre comme base de l'alimentation populaire, la pierre comme matériau primitif de construction, et les mots, le langage, en tant que système primaire de communication. Ensemble, cette trilogie, pierre, pomme de terre et le narrateur suggéré par le titre, apparaît comme une synthèse des trois grands règnes. Minéral, végétal, animal. Le collage visuel pomme de terre, pierre engage un dialogue dans leurs apparentes ressemblances de forme et de dimension. Mais il engage surtout la musique d'une ritournelle par son titre, qui invite aux allers et retours visuels entre la pierre, la pomme de terre, et puis la pierre, et puis la pomme de terre encore. Sometimes I'm a stone, sometimes I'm a potato toe, then a stone again or a potato. Toutefois, durant le laps de l'exposition, l'écoulement du temps jouera contre leurs similitudes pour creuser leurs différences. Les jours modifieront le tubercule avec l'apparition de germes et d'une peau flétrie, et opposant chaque jour un peu plus la transformation du vivant à la pérennité inorganique.